Bonsoir, bonjour, peu importe l'heure à laquelle vous me regardez, vous êtes les bienvenus sur cette nouvelle vidéo. Salut à tous, moi c'est Nex, j'espère que vous allez bien, pour ma part, ça va toujours super. Le grand smile, le grand sourire, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dofus. Alors, on va parler de plein de choses aujourd'hui, mais surtout de plein de choses, vous allez voir, ça va être génial. On est actuellement sur Ombre, donc le serveur où, ok, un mec qui me casse les couilles, on va t'ignorer pour la session. Voilà, vamos, bon, au pire on va se mettre comme ça, ça va être plus simple. Bon. Alors, j'ai changé quelques trucs sur mon stuff, il y aura quelques anecdotes à raconter, je vais essayer de me refaire des camas dans cette vidéo, elle durera environ, à mon avis, une dizaine de minutes, grand maximum. Je suis désolé pour l'absence, mais en ce moment, j'ai beaucoup de problèmes personnels, je ne peux pas vous en parler, mais c'est le cas, et ça reviendra au fur et à mesure du temps, voilà. Donc, je vais lui répondre oui. Oui. Oui, je filme là. Désolé. Donc en gros, je m'en vais. Donc, je vais vous raconter plein de trucs. En gros, là j'ai changé quelques trucs dans mon stuff. Ça, je l'ai craft hier, le jet est pas ouf, mais c'est le jet qui est sorti directement du craft. Mais le jet, moi, me convient. Il manque un peu de sagesse, un peu de vita, la force, j'en ai rien à battre, il manque de dentelle. Il manque quelques dos, quelques raises, mais ce n'est pas grave. Le jet est vraiment bon, je m'attendais pas à un aussi bon jet feu, j'ai eu de la chance. Ça m'évite le FM tout de suite, en fait. Celle-là, j'en ai eu pour à peu près en craft 1,8 million. À peu près. À peu près pour 1 million, 1 million 8. 1 million, j'aime bien la fourchette. Attends. AM4. Mais normalement, elle m'aurait coûté 2 M4. Pourquoi? Parce que je remercie, voilà, en vidéo. Merci à toi, l'ami Faisal, l'ami et Caramel, qui m'a filé une étoffe de Peggy gratuite, qui m'a permis de crafter mon ami Obsidiantre. Ça, c'est vachement sympa. C'est vachement cool. Ensuite, avec le fameux Caramel, donc, qui est un ami, hein, qui stream aussi sur Twitch. N'hésitez pas à aller voir. Donc, qui m'avait fait manger un OPAPM. Alors pour l'anecdote, j'avais 25ème, quelque chose comme ça en banque. Donc j'avais réussi à me faire des camas 25ème, je me suis dit, bon, avec 5-6ème, parce que un OPAPM ça coûte 10ème sur ce serveur. Et donc je me suis dit, bon, avec 5-6ème ça devrait passer, j'achète une quarantaine de runes maximum et ça passe. Sauf que j'ai l'anneau, je l'ai passé en environ 75 runes PM, donc ce qui coûte la peau du cul. Et il a fallu 6 runes PA pour remettre le PA dessus. Ce qui est totalement infâme. Je n'ai absolument aucune chance. Surtout que les runes PA, ça coûte 450 000 U presque. Et les runes PM, ça va. Les runes PM, c'est 150 000, tu vois. Mais les PA, c'est infâme. J'ai perdu 16 M en tout sur cet anneau Gelano. Donc j'ai 6 M de déficit dessus. Mais ce n'est pas grave, au moins je l'ai. Pourquoi un Gelano PAPM, vous allez me dire? Parce que j'avais un Gelano Vita qui était bien plus intéressant. Parce qu'en fait, pour l'instant, il ne m'est pas forcément utile. Bon, on 6, c'est bien, mais c'est pas nécessaire, c'est pas essentiel. En fait, je voulais garder mon 11 PA. Quoi qu'il arrive, je voulais garder mon 11 PA. Mais, dans ce cas, il m'aurait fallu mettre un Turbulent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si je mets un Turbulent et que j'ai pas de PAPM, je me retrouve... Quand j'aurais eu ma Tengu, je me serais retrouvé en... comment ça s'appelle? En 11-5. Et donc moi je voulais un 11-6, c'était plus intéressant, et puis voilà. Enfin, je sais pas si on s'est compris en fait. Moi je me suis compris en fait, c'est ça le truc. Je sais pas si vous m'avez compris, mais moi je me suis compris. Parce qu'en fait je vais virer ma ceinture Fulgu, qui m'enlèvera un PA, d'accord? Et donc je vais mettre la ceinture Tengu, mais la Spanou Tengu en entière donne un PM, d'accord? Donc ça me donnera... en gros, avec la Tengu j'aurais eu 6 PM, avec le PAPM. Mais avec le turbulent qui enlève un truc, je m'en retrouverai en... Quoique, attendez, en fait, je suis en train de m'embrouiller moi-même. Attendez. Techniquement, là, j'ai combien? Alors, on va dire j'ai pas de PAPM, d'accord? Là, je mets une Tengu, d'accord? Là, avec une Tengu, je me retrouve en 6 PM, d'accord? Je mets un turbulent, je me retrouve en 5 PM. Je remets un PAPM, je me retrouve en 6. Donc je serai en 11-6. Ok, voilà, c'est bon, j'ai ma réponse. Donc j'ai rien dit. Je serai en 11-6, c'est bénef. Worse. Je sais que vous n'avez pas quand je dis worse, donc worse. Donc oui, je serai en 11-6. Ok, c'est cool. On s'est embrouillé tout seul, mais ce n'est pas grave. Alors, on va essayer de se faire quelques camas. La même technique que d'habitude, c'est la meilleure qui marche. On va aller hôtel des ventes des... Alors, on va mettre notre petit sac à dos déjà. Ouais, notre panopod. Moi, je sais que les équipements rapides existent, mais j'ai tellement la flemme que moi, je préfère cliquer comme ça, comme un autiste. Donc voilà, ça, c'est 2800 pods, c'est quand même une bonne panopode. Enfin, c'est un truc lambda, mais c'est pas mal. Alors, j'ai vu afficher 40 millions, je me suis dit, oh mon dieu, j'ai 40 millions. Non, juste 4, en fait.
On est d'accord, il y a écrit 40 millions. Vous regarderez la vidéo, je regarderai la vidéo, mais... Donc, mesdames, messieurs, Matengu qui m'attend là, on va regarder un peu ce qu'il me fallait. C'est dans les minerais. Alors, minerais. On va faire un peu de caméra, vous allez voir que c'est extrêmement rentable. Alors, étain, on va en prendre une... 60, il m'en faut 2. Pareil, 60, ça devrait suffire. 90, on va prendre. Quoique, c'est pas l'inverse. C'est associé... Anneau, c'est pour les cils. Hein. Est-ce que la musique est pas trop forte? J'espère pas, j'espère vraiment pas. Non, c'est 3 étains, donc c'est l'inverse que j'aurais dû faire. J'aurais dû prendre 90, ça. Donc ça, on va en rejeter 60. Voilà. Et ça, on prend tout. Ouais, peut-être pas tout. Mais le truc, c'est que ça, il m'en faut 5 par craft. Hein. Vous savez quoi? On va en virer 87. Hop. Donc ça, il en faut 3, donc on en prend 60. Donc on en vire 30, là. Et ça, il en faut... Non, c'est l'inverse, putain. Ah, ça m'énerve. Donc ça, il m'en faut... J'en vire encore 20. Hop. Et ça, j'en vire 60. Normalement, c'est bon. Parfait. Bon, vamos. On va aller voir combien sont les diamants. Ça se trouve, je réussirai pas à me faire des camales. Hein. Il est possible que... Il n'y a pas de diamants en vente. Mais moi, je fais tout le temps ça et c'est vraiment rentable. Alors, acheter. Pierre précieuse. Là, il n'y a pas de diamants en vente. Hein. Là, il n'y a pas de diamants en vente. Donc, on ne fera pas de diamants tout de suite, clairement. Mais en gros, la technique consiste à racheter tous les diamants qui sont environ à 40 000. Et ensuite, on va acheter des bijoux. Et on vend en silimel. Parce que les silimel se vendent extrêmement bien. Mais vraiment, hein, j'en crafte environ 20 par jour en général. Et ça part plutôt bien. Un aussi mail, regardez, ça coûte 150 000. Voilà. Ça se vend pas 150 000, ça partira jamais. Mais moi, je les vends 70 000, 80 000 U. Et ça part très très bien. Voilà, donc à titre d'exemple. Voilà une petite astuce Kama, que vous allez pas me voler, parce que de toute façon, personne ne joue sur ombre. Mais voilà. Bon, bah c'était un plaisir de vous retrouver pour cette petite vidéo, à nouveau. Je sais pas combien de temps j'ai filmé, peu importe. C'était cool de vous reparler, en tout cas, ça me fait plaisir de vous revoir tous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Next. N'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Facebook ou YouTube. Tous les liens sont dans la description. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitch pour ne louper absolument aucun de mes lives, parce que oui, je stream parfois. Abonnez-vous à ma chaîne Twitch, etc. Bisous tout le monde, excellent dimanche à vous, et à bientôt. Ça m'a fait plaisir de vous voir, vraiment. Bisous tout le monde.